Dans les églises aujourd'hui, on parle de démonstration de puissance. Les gens parlent de la démonstration de la puissance. C'est que quand on parle de démonstration de puissance, les gens veulent voir quelque chose où on a comme l'impression que, Dieu est en train de soigner un malade, de guérir un paralytique, de je ne sais pas. Or, ils n'ont pas compris que même le soleil qui se lève, est une démonstration de la puissance de Dieu. Le souffle de vie du matin est une démonstration de la puissance de Dieu. Voir, écouter même un bébé pleurer le matin est la démonstration même de la puissance de Dieu. Mais comment les gens vont juste bloquer la démonstration de la puissance de Dieu à un paralytique qui marche ou à un aveugle qui voit? Or, Dieu est plus fort que ça. Bloquer seulement la manifestation de la puissance de Dieu comme étant le fait de voir un aveugle marcher ou un aveugle voir, excusez-moi, ou un paralytique marcher, c'est rabaisser Dieu. Le souffle de vie que vous voyez là, le soleil que vous voyez là, c'est une démonstration puissante de la manifestation de Dieu. Ce sont des actes très forts que beaucoup de personnes en fait ne remarquent pas. Même se réveiller le matin, boire de l'eau, travailler, rentrer chez toi à la maison et voir ta famille, c'est une très grande manifestation de la puissance de Dieu. Parce que cette puissance, ça, il ne la donne pas à tout le monde. Alors si toi tu as vécu ça, dis gloire à Dieu. Et quand les gens disent, nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu, en fait, c'est quel genre de manifestation les gens veulent voir? Quelle est la manifestation que les gens veulent voir, en fait? Mais la manifestation, c'est ce qu'on voit tous les jours. C'est le fait de se réveiller le matin et contempler même le soleil, de regarder ton frère, ta mère, ressentir l'amour autour de toi. Voici une très grande manifestation de la puissance de Dieu. Mais les gens s'arrêtent et se focalisent seulement sur le fait de voir un miracle. C'est pour cela que beaucoup de personnes se font mal dans les églises. Beaucoup de personnes se font mal dans les églises et veulent voir les miracles. Et ils se font mal comme ça. Mais c'est très grave. Dieu, il est partout. Dieu, il est universel. Et on le contemple tous les jours. Mais beaucoup de personnes ne le voient pas. C'est dingue, hein? Beaucoup de personnes ne le voient pas. Saluer ton frère le matin, c'est une très grande manifestation de la puissance de Dieu. Voir des personnes en bonne santé, c'est une très grande manifestation de la puissance de Dieu. Mais les gens ne le voient pas. Parce que quoi, on veut voir le miracle. Le miracle. Mais le miracle, on le voit tous les jours.